À moins de 24 heures de l'atterrissage probable du président Laurent Gbagbo, prévu à 15 GMT de la Côte d'Ivoire, Guillaume Kibafori-Soro prévient les Ivoiriens et envoie un message émouvant à la nation. Pour plus de détails, après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti! Comme beaucoup d'autres dans sa famille politique, Mamadou Traoré, conseiller spécial de l'ex-chef du Parlement ivoirien, M. Guillaume Kibafori-Soro, est président du mouvement Génération et Peuple Solidaire, en abrégé GPS, vivant en exil, redoute un scénario le 23 décembre 2019, en ce jeudi 17 juin 2022, à l'arrivée probable de M. Laurent Gbagbo. Mamadou Traoré brise le silence. Ses craintes, il a clairement exprimé à travers un post sur sa page officielle Facebook à la veille de cet événement tant attendu. Mon petit doigt me dit qu'aujourd'hui, la ville d'Abidjan sera investie par les forces de l'ordre qui bloqueront l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, voire menant au domicile de M. Laurent Gbagbo et Nadi Bamba, afin d'éviter qu'ils prennent un bain de foule. A rétorqué Mamadou Traoré en ce jour, proche collaborateur de M. Guillaume Kibafori-Soro, qui envoie ce message aux Ivoiriens, un peu le schéma de l'accueil de M. Guillaume Kibafori-Soro le 23 décembre 2019. Que les partisans de M. Laurent Gbagbo aient le moral en ce jour pour accueillir le menton, l'accueil de leur leader se fera dans une grande atmosphère électrique à travers le RHDP et le Front Populaire Ivoirien en abrégé FP, sans oublier le PDC RDA de M. Henri Konan Bedi, le FPI du président Laurent Gbagbo et Pascal Affi-Guessant, sans oublier le GPS de M. Guillaume Kibafori-Soro, provient ce proche collaborateur de M. Guillaume Kibafori-Soro à moins de 24 heures avant l'atterrissage probable de M. Laurent Gbagbo à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. L'éventualité d'une convergence de ses partisans vers l'aéroport d'Abidjan reste à craindre présentement. Rappelons que depuis le retour manqué de M. Guillaume Kibafori-Soro en décembre dernier, ses proches collaborateurs continuent d'arriver sur la grande scène politique pour s'opposer au RHDP du président Alassane Ouattara et exigent en ce jour le retour immédiat de M. Guillaume Kibafori-Soro, en ce jour de l'arrivée probable du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire et sans oublier de nombreux proches collaborateurs de ce dernier. C'est ainsi que Guillaume Kibafori-Soro profite et lève la voix en ce jour et envoie un message aux Ivoiriens à travers Mamadou Traoré.